arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? Où suis-je? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Bah salut tout le monde, c'est Kira Gaming, on se retrouve sur Daylight. Alors c'est un jeu d'horreur qui a été développé par Zombie Horror. Je vais se parler. Alors ce qui se passe c'est que moi j'ai vu et qu'il a été fortement critiqué sur les forums de jeuxvideo.com par exemple. Ou des notes un peu sur les sites. Bah jeuxvideo.com par exemple Logan il l'a noté 8 sur 20. Moi je vais me faire ma petite idée personnelle. De voir de mes propres yeux, quoi. Voir s'il est vraiment pourri ou pas. Et déjà, franchement, graphiquement, l'ambiance... Moi, j'aime bien. Il y en a, ils trouvent que c'est moche, parce que c'est un côté un peu flouté, bizarre, là. Bon, je suis désolé des petits à-coups. Parce qu'il est pas super bien optimisé non plus, à enregistrer en même temps. C'est pas simple. Mais moi, j'aime bien déjà le son, là, continue... Oh, mais l'ambiance, je sais pas, ça passe bien. Ça passe bien, quand même. Il y a plein de petits trucs. Une vache. Ouais, il y a pas mal de petits trucs comme ça là. C'est à toi de vie. Et aussi ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une option si vous faites des lives avec Twitch. Les gens qui regardent le live peuvent marquer des mots précis qui vont déclencher des sons dans le jeu ou des actions, je crois. Dans le jeu directement, ça c'est plutôt pas mal. Bon, si tout le monde fait tout le temps, ça doit être un peu chiant, mais j'ai trouvé ça marrant qu'il y ait une interaction avec, avec Twitch. Bon, allez, je vais jouer, je vais essayer de me mettre dedans. Ok, un bâton lumineux. Oh putain! Ah, par contre, si vous m'entendez crier ou quoi, parce que moi je suis une putain de lopette. Sta. Le patient âgé de 10 mois nous a été renvoyé par ses parents adoptifs après que celui-ci ont noté un nombre d'accidents étranges et effrayants survenus peu de temps après sa sortie de l'hôpital. Oh my God, ta mère. Je m'attendais pas à un bruit là dans mes oreilles, j'ai mis le son super fort pour vraiment le mettre dedans. Oh mon Dieu. J'aime pas. Oh là là. Ah ta mère. J'ai des frissons. C'est quoi ces sons là? Je suis pas bien là. T'as même ouvert un placard, j'ai flippé. Oh, on voit ces traces par terre, c'est beau ça. J'ai entendu des pas. They wither in flame, Sarah. Use it to your advantage. They will not harm you if you do. D'accord. C'est un esprit qui met sur moi, j'aime le truc de feu ou j'ai pas trop compris là. Ça sent la merde ici. Bonjour, je vais juste que passer. Il y a un téléphone. Ta mère. Oh mon Dieu. Allô. Oui madame, ne me faites pas de mal. Bon, j'ai vu qu'on incarne une femme hein. Alors l'histoire, faut pas me demander, j'en sais rien du tout. Ça sent la merde. Wow, calmos. Ah, je vais pas lire tous les papiers que je rencontre hein, non plus. Hein, on va pas déconner, hein. Oh my God.
What was that? Le personnel réagit à des cris venant de la chambre de la patiente 60E. À l'arrivée, il y avait du sang partout. La patiente s'étant auto-mutilée. Ah, s'étant auto-mutilée avec un scalpel. Et n'est pas certain de comment l'objet est arrivé à sa possession. En sa possession, malgré la quantité de sang, aucune de ses blessures n'était profonde ou sérieuse. Les entailles étaient superficielles, comme si elle n'avait pas réellement tenté de se blesser, juste de créer un large désordre. Le patient 69 a été placé en cellule d'isolement en tant que danger pour elle-même et les autres. Docteur Mercer est maintenant directement en charge de son dossier. Espérons qu'il parvienne à soigner ses démons intérieurs. Je vais arrêter de lire parce que j'ai arrêté l'école un peu trop tôt. Je fais le comique. Et c'était bon, c'était le dernier papier que j'ai eu le courage de lire. Alors j'ai une carte sur mon téléphone. Mais voilà quoi. T'as juste ouvert les portes, ça fait flippette. Je sais pas là, vous sentez pas, il y a quelque chose qui arrive. J'ai un petit cœur fragile. Oh ta mère. Oh petit Jésus. Pour l'instant il m'a fait plus peur qu'Outlast. Je sais pas, il y a une ambiance avec le son là. Laissez-moi tranquille. Ouais, barre-toi, sale moche. Oh, je vous le promets, je fais pas semblant. Je vais pas mentir, je m'en fous. Je sais pas, tout le monde dit que c'est de la merde ce jeu, mais pour l'instant, moi, il me fait bien flipote. Quoi ça, encore un téléphone? Wow. Allez, c'est moi. Ta mère. Y'a rien ici. Ouais, c'est quoi ce truc là-bas? J'ai besoin de la clé. Ah maintenant il faut trouver des clés ici. Notre inventaire est plein. I see it. They revealed the sigil. Reclaim it and bring it to the gateway. Menace en bas à droite, on voit quelque chose là, c'est bizarre. Laissez-moi tranquille. Oh là là. Je sens mal ce couloir. Je cours parce que j'ai peur. Il faut que je trouve une clé, ça va être chaud ça. Par contre, c'est quoi ce bruit là-bas? Wow. What the fuck? Ah, le ours. Ah mais sérieux. Bois, ta mère. What the hell? Ah, les décors, elles ont changé. B? I see. C'est moi tranquille. Oh putain.
sais même plus où c'est. Est-ce que c'est ça la clé? Ah, c'est un nounours la clé, d'accord. Ah, ça change un peu de décor. Là, franchement, pour l'instant, alors je sais pas du tout la durée de vie, je sais pas du tout combien de temps il dure ce petit jeu, mais et si les décors ça va vachement changer, mais déjà voilà, là on a passé une première étape, là ça change un peu de décor. Moi j'aime plutôt bien. Après voilà, faut voir. Les gens, je pense qu'ils se sont déjà mis dans la tête c'est de la merde, alors faut pas se mentir. Et il y a pas mal de gens qui sont influençables aussi, hein. Suffit que jeux2.com ou n'importe qui, parce qu'il y a plusieurs tests, n'avait pas jeux2.com, mais moi j'ai dès que sur ce site. Suffit que quelqu'un dise du mal ou quoi, c'est fini. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Ça dépendra de vous, si vous laissez des petits commentaires, si ça vous dit, s'il y a pas mal de personnes qui disent voilà, j'aimerais bien avoir une suite. Bah j'en ferai autrement, là ce sera une petite vidéo de découverte, j'en aurai qu'une ou voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, peut-être pour d'autres aventures sur Daylight et d'autres jeux. Et je vous dis à plus. Tchuss, amigos.